Brian Olley, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Gabon, reçu ce matin par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, les questions de coopération bilatérale ont focalisé l'entretien. Et je vous en propose précision avec Ali Radjumba, Hervé Mongumba, presse présidentielle. Les questions de coopération entre la Grande-Bretagne et le Gabon figurant au menu de cet entretien que le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a accordé aux diplomates anglais. L'ambassadeur Brian Olley a indiqué être venu faire le point avec le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sur le projet de formation des éco-gardes dans le cadre de la préservation des parcs nationaux. À mi-août, nous avons signé un protocole d'accord historique entre le Gabon et le Royaume-Uni, entre nos deux pays, pour faciliter la formation des militaires britanniques avec le éco-garde dans les parcs nationaux de Gabon. Et nous avons lancé le projet, la première partie du projet, parce que le programme a duré plus que 3 ans et coûté à peu près 500 millions de CFA. Et mercredi, je suis allé visiter les derniers 2-3 jours de ce projet, la première phase de ce projet, avec le ministre de Défense. Donc je voulais venir voir son Excellence le Président pour lui dire que le projet était un très grand succès. Et nous avons conclu la première partie de la formation et vraiment, après l'appui personnel de son Excellence le Président, la situation par rapport à la protection de fauna au Gabon est beaucoup mieux. L'ambassadeur de Grande-Bretagne a par ailleurs ajouté avoir évoqué au cours de cet entretien avec le président de la République, chef de l'État, les questions économiques et sécuritaires. Nous avons également discuté de l'économie et de la situation de sécurité. Et, nous avons parlé de la menace, par exemple, de Boko Haram et la façon que nous pouvons travailler ensemble en partenariat pour faire face à cette menace. Et également, nous avons parlé de la situation avec des entreprises britanniques au Gabon et les efforts du gouvernement ici de protéger le climat d'affaires. Il faut rappeler que les relations entre la Grande-Bretagne et le Gabon sont au beau fixe. Les deux pays partagent une convergence de vues sur plusieurs sujets, notamment la lutte contre les changements climatiques et le braconnage.